Bonjour et bienvenue, on est de retour dans la survie du week-end. Donc il s'est passé à peu près une journée et demie je crois depuis le dernier épisode. Ah, j'aurais pas dû boire autant, c'est pas grave. Il s'est passé à peu près une journée et demie, j'ai tout cuit, je vais vous montrer ça. Alors le problème c'est que on est en pleine nuit, ouais. Alors je pense qu'on va peut-être faire un petit tour à l'extérieur, puis après on va aller dans les bâtiments. En gros, c'est pour un peu passer le temps à l'extérieur, le temps que la journée se lève. Donc on est là, bien sûr, évidemment. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait, vraiment? J'ai mis un peu d'ordre. Je suis allé récupérer un peu plus de boyaux sur les loups qu'on avait tués. Les loups sont déjà revenus, hein. Il y a déjà des nouveaux loups empoisonnés, là, donc faut faire gaffe. Il y a la bardane que j'ai... J'ai mis en tisane aussi, parce que je me suis dit autant le garder en liquide. Aussi à noter que maintenant c'est 0,10 pour 125 de calories. Avant c'était en racine, en fait ça fait 400 et quelques de calories. Hein, donc c'est mieux à manger. Mais bon, si jamais on trouve un thermos, hein, encore une fois, c'est toujours la même histoire. Hein, si jamais on trouve un thermos, on est heureux. Donc il y a ça, et je vais vous montrer. Alors j'ai fait 3 feux. Alors j'ai fait 2 feux pour faire cuire, mais après je me suis rendu compte qu'ils étaient sensibles au vent. Donc ces 2 feux là. Normalement j'avais l'impression qu'ils étaient protégés du vent, mais en fait pas du tout. Donc j'ai cuit tout, j'ai pas quasiment tout, c'est tout. Et ce qui s'est passé c'est qu'après ils ont été soufflés, et du coup j'ai fini avec celui-là. Et là j'avais des palettes, je les ai détruites, donc j'ai fait un feu là. Après honnêtement le jeu me laisse pas le faire. Le jeu me laisse pas mettre des... Bah alors, pourquoi je peux pas... Ah oui, j'ai pas de combustible. Mais il me laisse pas me faire un feu en fait là-dedans, enfin dans cette partie-là. Donc là, c'était la limite. Alors je sais pas vraiment s'il est vraiment protégé ou pas. Donc faites attention à ça. On a ça. J'ai peut-être un peu trop pris de nourriture là. Peut-être pas abuser non plus. Mais voilà, c'est très bien comme ça. Bah même on virait encore un plus parce que faut peut-être pas exagérer. Donc voilà. Donc je suis assez content. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah c'est à peu près tout en fait, hein. Comme j'ai dit, bon, les loups sont de retour, donc faut faire attention à ça. J'avais l'intention en fait de faire donc les bâtiments, j'en avais parlé la dernière fois, donc on va faire les bâtiments. Mais vu que là on commence en pleine nuit, autant faire un peu le tour, parce qu'il fait pas si mauvais en fait, on peut voir un peu le décor. Donc je me dis pourquoi pas faire le tour un peu du périmètre à l'extérieur jusqu'à ce que bah il fasse un peu plus jour quoi, et comme ça on va dans les intérieurs après, parce que je voudrais pas trop utiliser la lampe non plus. Alors oui, on a 2 jerrycans, les deux ont 2 litres plus, donc on a sûrement 5 litres de fuel en tout, mais si on peut ne pas complètement les vider aussi, c'est pas si mal, hein. donc autant autant faire un peu le tour, parce que j'avais vu voilà des wagons quand je me baladais là. Donc je voudrais voir un peu ce qu'il y a. Donc ouais, faut faire gaffe. Alors je sais pas si les loups, ces loups-là en fait reviennent plus vite. Ou pas. Mais ouais, ils sont de retour. Ah oui, aussi, vu que j'étais, comme j'ai dit, je suis allé récupérer un peu plus de boyaux, parce que là-bas, on avait tué un loup. C'était juste à la fin de l'épisode précédent, je crois. Ce que j'ai fait, donc je suis allé récupérer les boyaux. Et pendant l'animation, j'ai eu froid, en fait. Donc j'étais à 0 pour la température. Et j'ai regardé si je baissais en vie, et je peux confirmer, on baisse pas en vie. Par contre, l'hypothermie augmente et tout ça, le gel augmente. Nonchalante. Okay. L'hypothermie augmente. Il n'y a pas du toxique ici. Comment on voit? Comme ça. Non, ça. Oh, ok. C'est un bâtiment? Mais c'est fermé ou c'est ouvert ça? Ah non, mais c'est ouvert. Ah d'accord, ok, ça marche. Très bien. Et j'ai regardé, ouais, on est complètement invincible, on perd pas de vie. Mais l'hypothermie continue de monter, donc ça c'est dangereux. Donc c'est un bug avec l'animation. J'en étais sûr que... qu'il y allait avoir des bugs dus à l'animation. Ouh, tisane, ça c'est nickel, ça c'est bien ça.
c'est super bien. Mais ouais, je le sentais qu'il y allait avoir des bugs par rapport aux animations. Et ben voilà, c'est le bug de l'animation pour le moment. C'est que vous perdez pas de vie. Je vais être honnête, c'est vachement utile. Si vous pouvez complètement exploiter cette mécanique, c'est super utile. Donc voilà. Personnellement, on va pas le faire parce qu'on en a vraiment pas besoin. Y a pas de... C'est pas comme quelque chose qu'on a besoin de faire. Mais voilà, c'est pour dire. Genre l'ours, par exemple, au lieu de faire morceau par morceau, on aurait complètement pu, on va dire, prendre genre 30 kilos d'un coup. Même si on avait froid, bon, l'hypothermie augmente, donc faut faire attention à ça. Mais sinon, notre vie baisse pas. Donc on aurait pu faire ça. Ah mais on a chaud. Ah on a chaud ici, ça tue. Ok, j'avais pas vu. Ah, c'est bien ça. Oh. On va tout prendre ce qu'on trouve. Bon, comme j'ai dit, il faut faire gaffe. Hein. C'est très très silencieux. Et des fois, je me demande si on entend même les loups, en fait. J'ai l'impression que les... Alors, pour, on va dire, parler un peu de technique. J'ai l'impression que les endroits sont mal découpés pour le son. Genre, le son ne traverse pas certains endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai un peu peur de ça, des fois. Là, il y a du... Oui, toxique, toxique, toxique. Merde, 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 merde. Putain, quel con. Ouais, là il y a une tour, ok, on va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose à la tour? Vous voyez, là-bas, il y a le corps du loup. Est-ce qu'on voit des loups? Il n'y a rien du tout? Il y a quoi de ce côté là-bas? Et pour la nourriture, on a genre une trentaine de steaks. Un truc comme ça. Donc franchement, on est tranquille. On peut ne pas bouger d'ici pendant un très long moment. Hein. On est bien. Ce qu'on pourra faire, c'est... Parce que nous, on a fait donc la région de gauche. Je vais pas dire des points cardinaux, parce que dans ce jeu, ça marche pas. Donc, si vous regardez la map, nous, on est allé... Donc là, on est au centre, plutôt. Ah, il y a du toxique ici, ça marche. Bon, faudra voir ça plus tard. Ouais, faudra voir ça plus tard. Donc nous on est à la gauche de la région, donc ça serait bien d'aller peut-être à droite. Attendez, on est passé par là et on a fait ça. Bah merde, à droite ça serait là du coup. Oui, non, du coup droite ça serait là. Ouais, ça va être problématique. Il va falloir qu'on trouve vraiment de l'équipement anti-toxine. Je me demande si le pantalon nous aide pour ça. J'imagine que non. Bon, on commence à avoir froid.
Quel bâtiment on fait en premier? Ou refait même? Celui-là, devant là. Ah. C'est quoi que j'ai entendu? C'est toxique là. Merde, c'est toxique. Ah putain, mais on sait même pas. Ah, tiens. Il y en a un là-bas aussi. Il y en a deux. Il y en a deux, c'est pour ça que l'un, l'autre a aggro, celui-là qui nous fonçait dessus s'est arrêté. Ah la vache, ah c'est un peu le bordel. Hein. Encore heureux qu'on a vraiment, on a deux arcs et on a plein de flèches. Hein. On a encore une trentaine, plus d'une trentaine de flèches. Par contre, on a zéro bois. Zéro bois pour créer des flèches ou créer du... créer des arcs. Donc faudra faire attention à ça. Ok. Donc on est reparti. Donc si jamais on a déjà fait l'endroit plus ou moins, on va aller vite. Hein, pour pas trop consommer. J'ai un pied de biche sur moi. Donc ça c'est l'endroit où il faut la clé du contre-maître. Ça marche, là il y avait un cadavre je crois, quelque part. J'essaye de me concentrer, je vais peut-être pas énormément parler. Du tissu, ah du tissu. Pourquoi pas. 30 minutes, ouh 30, oui pour 5, oui vas-y go. Ah oui complètement. Ben voilà, si jamais on trouve des trucs comme ça, il va falloir absolument prendre de tissu. Alors là, on a la cage d'ascenseur avec la corde. Je suis un peu curieux d'aller fouiller la cage d'ascenseur, pour être honnête. Ça me... Ouais mais en pleine nuit c'est chaud. Le problème c'est qu'en pleine nuit si jamais il y a des... Je vais pas bouger parce que si je tombe... Si jamais il y a des étages où on peut s'arrêter je vais pas les voir. Donc bon, on peut pas le faire maintenant. On va attendre.
Par contre, je veux bien repasser par le chemin. Je veux bien rester à l'intérieur, en fait, parce qu'il y a plein de loups qui sont en train de circuler tout autour de nous. Je veux bien repasser par là. On peut un peu dormir. Faudra faire attention au mal de l'enfermement, par contre. Ouais, faudra faire vraiment attention au mal de l'enfermement, parce que si on reste un peu trop dans les immeubles comme ça, là, et parce que là, c'est ce qu'on va faire pendant un petit moment, on risque d'avoir des problèmes. Il y a plein de choses qui passent à travers le sol, j'ai remarqué. C'est très mal fait, ça, par contre. J'ai jamais vu autant d'objets, en fait, qui rentrent dans le sol. Ou dans d'autres objets. J'ai jamais vu de map en fait avec autant de problèmes par rapport à ça. Donc ça m'embête un peu. Enfin, ça me sort un peu du fun quoi. Oh, t'as pas fouillé toi. Ok. Rien du tout. Évidemment. Ouais non d'accord, j'ai eu peur là. Encore un objet qui passe à travers un autre. Ok. Attendez, non, on a fait ça. On va sortir. Sort l'arc. On se baisse et on y va. Ok. Ok, on va faire le tour de l'immeuble principal. On mange d'abord, bien sûr, le gibier, parce que c'est celui qui a 1000 calories. L'autre, c'est 1100 et quelques, parce que c'est de l'ours. Donc ça, on le garde de côté, l'ours. Comme d'hab, hein. J'ai l'impression qu'il y avait un truc là. J'ai envie de finir ma nuit. Je vais être franc. Je crois qu'on va finir notre nuit, comme ça on aura un peu de lumière et ça évitera de consommer trop de fuel. Alors, y a rien. Là on est en train de tourner un peu sur toujours les mêmes bâtiments, mais c'est vrai qu'il faut les faire à 100%, il faut vraiment les faire de fond en comble pour être sûr, de rien oublier. Je pourrais aussi... ah tiens, je pourrais me vider un peu l'inventaire parce que j'ai des... là on a des trucs qui servent un peu à rien. On va boire. Et je suis content pour le moment. C'est vraiment fun. C'est vraiment très fun. Que qu'on sorte ou qu'on reste en intérieur, c'est vraiment très fun. Je vais être franc, j'espère trouver quelque chose dans cet épisode. Genre des nouveaux vêtements, des... je sais pas, des... thermos. Toujours la même chose. Mais ouais, quelque chose de nouveau là. Ça serait bien. Ça serait vraiment bien. On va mettre la nourriture à l'extérieur, parce que j'ai commencé à mettre la nourriture à l'extérieur, autant continuer. Alors...
C'est quoi ça? C'est des beans. Ça, on va le mettre là, par contre. Ouais. Pas à côté du feu, parce que sinon, ça va poser problème. 43 kilos. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Câble, ça. Vous avez vu tout le bois que j'ai en bois de récupération? C'est un peu abusé. J'en ai utilisé en plus hein, pour maintenir les deux premiers feux. J'en ai vraiment utilisé. On a du métal aussi. Donc ouais, c'est cool. Je pense que cet épisode va être plutôt tranquille honnêtement. Ça va être plutôt... Genre on passe notre temps à regarder tous les recoins de tout ce qu'il y a. Très bien, on va déposer 5 tissus ici. Très bien. Ok. Ça sèche, très bien, c'est cool. Alors là, normalement, le sol, le rez-de-chaussée, on l'a déjà fait. Donc, on va faire ça vite. On a plus ou moins tout fait. Après, je sais qu'il y a des morceaux de bâtiment qu'on n'a pas fait. Donc, c'est ça surtout qui m'intéresse. Devrait avoir bientôt de la lumière. Ça, on a tout fait, il n'y a rien. Encore plein de caisses à détruire si on veut. Et après on a les mines aussi. Mais encore une fois, je sais pas si ça vaut... J'ai un peu peur en fait du toxique. Est-ce que les mines sont infestées ou pas? Je dirais qu'il y en a sûrement. Mais est-ce qu'elles sont toutes infectées? Genre il faut absolument genre un respirateur et tout pour aller dans les mines. Ça je ne sais pas. Vous avez vu encore? Objet qui passe à travers. C'est... Ouais, honnêtement ça c'est un peu le... Le mauvais côté. Je sais pas s'ils ont généré ça aléatoirement. Je sais pas comment ça se passe quand ils génèrent des maps. Mais normalement, toutes leurs maps, elles sont faites à la main. Donc, pourquoi celle-là a autant d'objets? Genre, quand vous chargez les parties, peut-être. Genre, les objets passent à travers les uns et les autres. Mais bon, le jeu avait jamais eu de problème de ce côté-là. Donc, je comprends pas trop. Il y a un passage là au-dessus. Je dirais qu'il y a une... Ouais, il y a peut-être un truc à faire pour aller au-dessus. Parce qu'il y a encore un étage. Hein. Oh, non, on revient là en fait. Bon. Ok, ça sert pas à grand-chose en fait. Bon, il nous faut un autre bâtiment là. Ou on trouve comment monter, ou on fait quelque chose là, parce que là on tourne en rond. Là on tourne un peu en rond là par contre. Ok. Bon, là ça a l'air d'être bloqué. Là on n'a pas l'air de pouvoir y aller. On va descendre. On va sortir. J'ai du charbon. Oui, j'ai du charbon pour dessiner. Il va falloir qu'on dessine des morceaux de cartes là, parce que je suis un peu bloqué. C'est super grand. Et j'ai l'impression que je tourne un peu en rond en fait. Vous voyez, genre ça là par exemple.
Genre ce bâtiment là, on y est allé ou pas? Non, hein. On peut pas y accéder. Enfin, on n'y a pas accédé. Ça peut pas dire qu'on peut pas, mais on n'y a pas accédé. Donc comment... Comment y accéder? Parce que j'ai pas trop envie de descendre aux mines pour le moment. C'est ce qu'on prend pour monter. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de moyen de monter en fait, depuis l'intérieur. On va y retourner. Désolé, on tourne en rond là un peu, mais bon, c'est ce que je voudrais faire les choses minutieusement pour pas me... genre tout simplement rater des choses, tout simplement. Pour pas rater des lieux. Je trouve ça un peu énorme, enfin un peu bizarre qu'on puisse pas monter complètement en fait, depuis l'intérieur. Genre... un peu le même bruit que... Enfin si, c'est exactement le même bruit que le barrage. J'aurais bien voulu qu'il fasse un truc un peu plus unique. Attends, je suis passé par là. Ah, je crois que je suis pas passé par là. J'ai pas pris ça. Non, j'ai pas pris ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ok, let's go, let's go. On a du nouveau. On a du nouveau. Et cuve d'acide, si le Joker il tombe dedans, enfin Nicholson il tombe dedans, il devient le Joker. Ouais, on a un nautique. Ok, on a du nouveau. C'est parti. Ah, je suis content. C'est fun. Ah, c'est sombre hein, quand même, hein, sans le, sans la lampe, hein, faut l'avouer. Hein. Oh yes, on a le passage du haut. Ok, cool. On a le passage tout en haut. Ultra grand. Oh, oh la vache. Ah, j'avoue, je suis assez impressionné hein, pour la taille. Hein. Ils disaient pas des conneries hein, quand les gens disaient que c'était la zone la... Putain, c'est ouvert. C'était la zone la plus grande en fait maintenant. Que ça a dépassé le barrage de Carter. Là. Ah, c'était pas des conneries. Hein. Mais après, c'est beaucoup mieux que le barrage de Carter, parce que là, c'est facile, en fait, de manœuvrer. C'est tout dans une grande pièce, en fait. Il y a plusieurs étages, mais c'est tout dans la même grande, grande, très, très grande pièce. Donc ça, c'est sympa. Oh, bonjour. Je vais passer mon temps à l'éteindre, l'allumer hein, pour économiser. Nous, on doit trouver une clé, je crois. Attendez, d'abord, on va regarder là. Ah, vous croyez qu'on peut passer par là? Ah.
Intéressant. J'ai envie de dire que ça serait plutôt la mort, mais... bizarre. Ça m'intrigue, ça. Machinerie, opération, warning, danger. Ouais. Bon, bah, nous, c'est tout éteint, mais ça va. Donc, genre, est-ce qu'on peut rester bloqué? Ils auraient pas fait ça, quand même. Genre, le piège à con, vous passez dedans et vous restez bloqué, vous pouvez plus sortir. Pour le moment, on va pas y aller, ok? J'ai très envie, hein. J'ai très envie de me mettre dans un trou, mais on va pas y aller pour le moment, ok? On va... Ça, on a encore des trucs à fouiller. On a encore des choses. Quelque chose, ouais, ça va. Cool. Combien, 12? Il y a rien qui me botte là pour le moment. Yes! J'ai pas vu combien il était par contre. Oh là là, 3,40! Oh, c'est quasiment plein. C'est quasiment plein. Oh là là, c'est abusé. Ah, oh, c'est super. Ah, par contre, on a du tissu. On a encore des hauteurs. Oh là là, que c'est bien. Parce que j'hésite à chaque fois d'utiliser la lampe, mais là on y va à fond, quoi. Surtout qu'on a la rouge. Ça, je suis tellement content d'avoir trouvé la rouge aussi de lampe. 30 minutes, ouais, ça va. Je suis très très content d'avoir trouvé la rouge. Alors, cuit frais. Très bien. Ah, c'est parti. Je commence à fatiguer. Je fatigue de visiter comme ça. Ça me fatigue. Ça me. Dans un sens, je suis un peu. Je suis sur les. Sur le qui-vive en fait. Je regarde tout. J'analyse tout. Genre si jamais on oublie. Oh mon dieu, c'est grand. Genre si jamais je passe pas à côté d'un truc. À chaque fois que je vois quelque chose, je me dis oh bien c'est un thermos. Mais en fait non. C'est plus stressant de faire ça que de combattre des loups quoi. Bien trouvé hein, quand même. Tissu. Là je suis content les tissus qu'on trouve là, fois 5 à chaque fois, c'est pas mal. C'est vraiment vraiment pas mal. Je suis très content parce qu'on en trouvait quasiment pas. Il y en a encore là. Établi. Il y a même un établi dans cette dans cette salle du coup, c'est cool. Je pense qu'ils ont fait exprès parce qu'il n'y a pas de rideau, rien. Du coup ils vous ont mis des bâches comme ça, qui donnent 5 tissus à chaque fois. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. Si jamais j'oublie des trucs, dites-le moi. Je sais que les gens aiment bien me dire et ça m'aide aussi, des fois. Not sure I can carry much more.
Des fois je parle un peu et tout ça et je vois pas certains objets. Absolument, hein, si j'ai loupé un thermos. Dites-moi la minute, la seconde près. Toutes ces caisses, on a vraiment envie de les casser en fait. Juste pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. J'avoue que j'ai vraiment envie de toutes les casser en fait. On peut paf to mine entrance. Ok, ça c'est pour sortir. Oh, vous pensez que ça mène au pont? Vous savez le pont qu'on a vu là à l'extérieur? Ça peut être ça. Hein. Ça coïncide un peu avec la hauteur. Je ne serais pas étonné. Ça descend où hein? Je vois un peu. Ah, ça c'est... Oui, non. Non, là on va te suicider. Par contre, on va avoir le mal de l'enfermement. À force de faire ça, on va avoir le mal de l'enfermement. Waouh. C'est trop bizarre. Genre, c'est sur un pont avec des rails, hein. What? Genre quoi? Genre vous allez directement à la mine, vous récupérez le charbon et il y a des wagons qui rentrent directement dans l'immeuble en fait. C'est intéressant. C'est quoi ça? C'est intéressant. Alors, on peut rentrer? Clé de la porte de la mine. Oh mon dieu, faut plusieurs... Faut plusieurs clés, t'es sérieux? Il fait un beau temps, on peut faire du feu. Alors, putain, c'était quoi? C'était le contremaître. Contremaître, clé de la mine. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait déjà deux clés qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'immeuble où il y avait la corde avec la cage d'escalier. Ah, on peut encore aller en haut. Oh putain, oh la vache, c'est grand. C'est des bâtiments de... Genre où ils vivent en fait. Oh! Ça tue? Ok, là on va peut-être trouver plein de trucs. Ok, cool. Ouh, je suis content. Ok, let's go. Non. Ok, là ça devient intéressant. On aurait dû prendre... Enfin non, il faut tout redescendre de toute façon. Genre un autre jerrycan, parce que celui-là il a 3 litres. Je voudrais bien le garder, parce que les autres ils sont moins, donc du coup on va garder celui-là à 3 litres de côté. Ok, nickel. J'ai le pied de biche sur moi, je crois, oui. Ok, pas mal. On a besoin de la lampe ou pas? Ouais, si. Si, on a besoin de la lampe.
Oh mon dieu, c'est horrible. J'essaye de par le raccourci, mais c'est vraiment horrible par le raccourci. Ça prend tout ce que je veux pas en premier. Faut qu'on regarde le vêtement qu'on a, mais normalement, c'est pas mieux que ce qu'on a. C'est quoi ça? Oh! This will come in handy. Masque, 28%, on peut l'utiliser. Alors ça, j'en avais parlé dans ma vidéo là pour de présentation du DLC. Je sais que certains masques peuvent être à 0%. Alors si jamais vous avez ça, ne le prenez pas, je dirais. Attendez un fixe parce que normalement, s'il est à 0%, vous pouvez plus l'utiliser. Et du coup, vous avez un problème parce que je crois qu'il est unique. Je crois bien qu'il est unique, le masque à gaz. Ah. Pas mal ça. Alors, faut voir un peu. Alors, est-ce qu'on peut le réparer par contre? Non, on peut pas le réparer. Donc le truc. Alors, ça c'est honnêtement, ça c'est un peu débile. On peut pas le réparer, il y a zéro option. Pourquoi pas? Pourquoi Interland n'a pas pensé à le mettre à 100%, genre il est tout le temps à 100% point barre. Pourquoi ils ont pas pensé à ça? Ah là là, équipez-vous-en pour protéger du gaz toxique et autres dangers de l'environnement. Il a besoin de cartouches pour fonctionner. Alors normalement. Ok, ça a pas l'air de descendre. Et il est à 0 pour... il est à 0 kilo. Il serait dans quoi? Merde. Je crois qu'il est. Les gens, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils m'ont dit qu'il était dans quelque chose en fait. Mais genre, faut vider tout ça. Je vais voir un peu. Un test. Parce que des gens avaient du mal à l'utiliser. Donc on peut la voir en roue en fait. Intéressant. Mais il faut vider tout ça. Si jamais vous avez des problèmes pour le rééquiper, alors je crois que ça s'utilise automatiquement. Effet jetable pour masque filtrant. Je crois que ça s'utilise automatiquement. Mais si jamais vous avez du mal à le rééquiper, parce que des gens se plaignaient de ça sur Steam, utilisez la roue en fait. Allez pas par l'inventaire, mais utilisez la roue. Ou alors vice versa, je sais pas exactement. Mais voilà, faites ça, testez ça. Moi, il a 28%, ça me fait un peu peur. Est-ce qu'il peut s'abîmer le masque? J'imagine que non. C'est un peu comme la lampe torche. La lampe torche, j'ai voulu la réparer. Parce qu'elle est à. Elle est à 27%. Mais en théorie, elle devrait pas s'abîmer. Après, est-ce qu'on peut jouer constamment avec le masque? Bah, en théorie, oui. Parce que. Oh, nickel. Oh, merde. En mauvais état? What? Ouais, mais normalement, ça fait rien. J'ai jamais vu du café en mauvais état, c'est la première fois. La première fois que je vois ça. Merde, j'ai pris le livre. Ah, fais voir toi. Ah mais c'est même pas des journaux qu'on peut prendre en fait, d'accord. Bon, ben on va s'amuser à faire ça. Je déteste faire ça. Cinquante-cinq, peut-être. Cinquante-quatre. Cinquante-quatre. 4.
on va dire. Là, faut faire le tour. J'ai vu, il y a l'insomnie. Hein. Ah, faut faire gaffe au câble. Merde. Merde, 54, 4, 35. Putain, compliqué hein. Yes, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Bon bah du coup on peut faire ça. Alors comment on annule les risques en fait d'insomnie du coup? Il faut aller dans des grottes, ils avaient dit, c'est ça? Non, ils avaient dit qu'il faut aller sous terre, je crois. Mais bon. Dans la mine, dormir dans la mine, à la limite. Je sais pas si ça vaut le coup, honnêtement. Très bien, ça. La lumière que ça fait. J'avoue qu'on commence à être lourd. Il va falloir qu'on fasse un tri. Bon, le maple sirop là, c'est vraiment bien. Le sirop d'érable. Hein. Le sirop d'érable, c'est vachement bien. Ça permet de faire les pancakes, là. Ils sont vraiment bien, ceux-là. Bon, ben... tout petit peu déçu, quand même. Alors, on a eu le masque, c'est bien, mais... Oh. Mais j'aurais voulu un thermos, comme d'hab. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour le masque. En théorie, le masque, on peut le porter tout le temps. Je dirais. On peut le porter à 100% du temps, parce que il est, les filtres sont utilisés seulement si... seulement si on va dans le gaz, je crois bien. Donc bon. Ce qu'on peut faire, c'est sortir et aller vers les mines. Voir un peu. Faut qu'on... on baisse un peu notre poids là par contre. On n'est pas très très fatigué, donc je dis pas non pour continuer un peu l'exploration. Puis en plus on a le fog là, le... J'étais checké. J'ai l'impression qu'il y a des cadavres qui pop. What? What? Attends, tu vas me dire que j'ai fait les casiers, j'ai pas regardé le cadavre?
Non mais il n'y était pas. Non mais je deviens fou ou quoi? Il n'y était pas, on est d'accord. What? Excusez-moi, y a du monde? Y a des gens? Je deviens fou. Deviens fou. Tu vas me dire que j'ai pas touché au cadavre. Ah bah putain. Très bizarre. Je sais pas quoi dire là. Je sais pas du tout quoi dire. Alors ça. On a un jerrycan à l'extérieur, on va utiliser le jerrycan de l'extérieur. Incroyable. Comment j'aurais... Oh là là, ça me rend fou. J'essaye de mettre un petit ordre. Genre les objets au moins je les mets ensemble. Ça c'est bon. Faut qu'on prenne de la nourriture. Prenne de l'eau surtout. Ça m'inquiète un peu le café là qui a abîmé. Je veux voir ça. Est-ce que c'est mieux que ce qu'on a normalement? Non. 55%. Ça c'est quoi? C'est 1 de chaleur? 1 degré? Ça c'est... Ah! Ça, il y a plus de défense. Et, ouh, plus de résistance au vent. On va le garder. On va le garder, on va le réparer. C'est comment pour le réparer? Je suis le réparer. Intéressant. Ça, je vais me déposer aussi après. Du coup, ça. Bon, normalement on a le brouillard. Le bruit est tellement étrange. Je sais. Alors, 1, 2, 3. Alors. Bah, je vais être franc. Je préfère mettre des flèches dans la tête plutôt que faire boubou avec... avec la lampe. Bou, bou, va-t'en, va-t'en, méchant animal. Surplombe de l'abondance. Par contre, c'était à quel niveau la mine? C'était tout en bas? J'ai un doute. On va avoir de la somnie encore. Oh.
J'avoue, c'était peut-être une connerie de faire ça. Je vois strictement rien, je sais pas où je vais. C'est complètement con. De toute façon, le vent, il est derrière nous. Normalement, il n'y a pas de loup quand même ici. J'ai envie de me mettre le masque, mais je suis pas sûr. Alors, de ce que je sais, les filtres s'usent ultra rapidement. Alors, beaucoup de gens se demandent si c'est vraiment normal ou pas. Wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je monte comme ça? Ça va être la merde là. Comment je fais pour descendre? Plein de trucs. J'ai du bois sur moi? Je sais même pas si j'ai du bois sur moi. Oui, oui, oui. Je regarde pour le poison. À la limite, si on a des petites zones de poison, autant ne pas utiliser le masque, vous voyez ce que je veux dire? Comment on descend, bordel? Je crois qu'il fallait tourner un peu avant. Et là, je suis en train de faire le tour. Pas un endroit qui me paraît genre... Qu'on peut un peu faire Spider-Man, là, s'accrocher sur les parois, descendre. Ça me paraît super pentu. Ouais, non, mais non, 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 non. Oh, j'ai aussi testé un truc, tiens, en parlant de ça. Enfin non, ça n'a rien à voir. J'ai testé le trabois, genre tout vidé. J'y ai l'option genre tout transférer en fait dans votre sac, et vice versa. Et j'ai testé l'option genre jeter tout. C'est vachement intéressant en fait. Parce que ça va jeter tout en dessous de vous. En dessous du personnage. Et on est d'accord qu'on peut, on va dire, toucher le trabois d'assez loin. Donc du coup, on peut jouer avec ça. On peut jouer avec ça. Donc ouais, gardez ça en tête. Je vais avoir de l'hypothermie. Pas de l'hypothermie, je vais avoir l'insomnie. Wow, photo instantanée. Je me suis trompé de chemin en revenant de l'aérodrome et je me suis tombé sur une petite grotte avec une chute d'eau visible au loin. C'était vraiment paisible. Ok, cool. Putain, la photo, quoi. Ça, c'est toxique. Hein. Je pense que c'est une connerie ce que je suis en train de faire. Ça, on va pas toucher. Je vais être franc, j'ai l'impression que c'est une connerie ce que je suis en train de faire. Elle est où la mine? Oh. C'est poison ça. Il y a du poison là? Ah oui. Ah oui. Oula, je crois que j'ai fait de la merde. Ok, non, je crois qu'on est nickel là. On est bon?
parti pour ça. Bon, on est... Attends. ...88 et 10. Bon, déjà on a chaud. ...88 et 10. 86. Oh yes. Ok. Oh la vache. On est protégé à l'intérieur de la mine, du D2. Ouh, j'ai eu peur. Honnêtement, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, putain, ça y est, on est bloqué, je vais être malade. Ouais, on est protégé de l'insomnie. J'ai assez d'eau parce que j'ai pris de l'eau vite fait. Oui, on a 4 litres, on a 3 steaks, on a encore ça là. Non, ça va, on peut dormir ici en fait. On peut dormir ici, donc il n'y a pas de problème. On peut attendre. Par contre, c'est mes vêtements, ils ont dû prendre cher de ouf. Ouais, 72%. Ah, ça, c'est un problème. Là, il me faut vraiment les bottes en fait. Je sais qu'il y a des bottes. C'est quoi ça? Allumé. Oh. On peut allumer les lampes? Ça tue? Ça a utilisé quoi? Des allumettes? Il est super lourd. Tu vois, on a 12, 20, 12, 12. Okay. Non, ça a l'air de strictement rien utiliser. Non, ça a l'air de strictement rien utiliser. Intéressant. Bon, on est bon là. 6. Ok, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Si on a une mine... Enfin, elle est loin quand même. Hein. Mais si on peut peut-être... genre glisser sur les parois pour atteindre la mine plus vite, ça vaut le coup en fait d'aller à la mine pour éviter l'insomnie. Ça vaut vraiment le coup. Je vais être honnête, on attend de trouver une sorte de bureau ou des trucs et tout, et je crois qu'on va dormir un petit moment, parce qu'il faut que j'arrête l'épisode, parce que encore une fois ça va être un épisode long. Oh, c'est noir de ouf. Encore heureux que j'ai rechargé ma lampe. Hein. Ah, ça c'est gaz par contre. Toxique gaz. On peut voir un peu ce que ça fait. Risque d'étouffement. Ok, ça marche. Donc ça c'est... Alors ça c'est pas la même chose que le poison. Je crois que ça, quand... Il n'y avait pas une barre. Putain, j'ai pas fait attention. Parce que normalement, je crois que ça, si on arrive... si on arrive à zéro, on meurt. Il y avait pareil dans une des zones, je me rappelle plus. Donc ça, c'est pas toxique. C'est pas la même chose. Ça fait pas augmenter la toxicité. Ça va, ça descend vite, l'insomnie. Hein. Les risques d'insomnie, c'est cool. C'est bien qu'on ait la lampe. Ah, regardez, il y a un trou. Mon dieu, c'est gigantesque. C'est gigantesque et je suis plein de fou. On va devoir se séparer de certaines choses parce que j'ai trop de poids en fait. Danger of collapse. Ah, c'est marrant ça, tu vois. Ça s'est effondré, ouais. C'est marrant. Est-ce qu'on peut prendre... On peut utiliser le travois? Non, on est en intérieur. Alors, ce qu'on va faire...
On va en garder un quand même pour allumer le feu. Ça on en a pas besoin. Ça on en a pas besoin non plus parce que ça dure pas longtemps du tout. C'est pas intéressant. On a 0,50 en plus. Ça c'est bien. Parce que je pense qu'on va aller utiliser... on va utiliser la lampe parce que le brouillard là il va bientôt s'arrêter sûrement. Enfin si on passe la nuit je suis sûr qu'il va s'arrêter donc du coup voilà. Ça je veux bien le réparer par contre. Ah putain on va peut-être pas avoir de lumière. Ok cool. Okay. On a le masque. Ok. Je vais être franc, je pense qu'on va... Putain, il y a encore du charbon ici. Je pense qu'on va avoir le mal de l'enfermement. Je suis pas sûr. On va dormir. Alors, fais voir le vêtement, là. Si c'est mieux. Ah, putain, c'est mieux, je crois. On a un peu moins d'étanchéité. La chaleur, c'est pareil. Par contre, on gagne 2,5 en coupe-vent et 1% de protection. Et le poids, c'est 0,05, ça va. Du coup, l'extérieur, c'est quoi la couche extérieure? C'est celle-là, je crois. C'est 1, 2, je crois. Enfin, 1, 2, 3, 4, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, hop, coupe vent 10. Enfin, est-ce que ça marche sur tout en fait, sur n'importe quoi? Non, là non, là je gagne pas en coupe vent. Donc ouais, c'est celui-là, coupe vent 10. Très bien. Nickel, on a un nouveau vêtement. On a un nouveau vêtement. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas quelque chose que je m'y attendais pas du tout. Hein. Je m'y attendais vraiment pas. Ouais, ouais, je sais, je sais. Bon, du coup, on va s'arrêter là. On verra ça la prochaine fois, ce qui se passe. Alors, je sais pas ce que je vais faire. Où je rentre, où je continue à explorer la mine. Après j'avoue comme d'habitude, je pense que tout le monde l'a compris, je suis pas très très à l'aise là de continuer ligne droite. Bon après on a encore de... Si jamais on doit rester éveillé on a du café, si jamais on doit manger, boire et tout ça. Par contre j'ai un peu peur du gaz en fait. Parce qu'on a qu'un seul masque, enfin évidemment, on a qu'un seul filtre en fait. J'ai un peu peur de ça. Donc ouais. Par contre on a... On a saké plein et on a 0,50 ici, donc c'est nickel. On a aussi ça si jamais on veut de la lumière. Donc niveau lumière, ça va. Il n'y a pas de problème. Niveau lumière, donc ça c'est bien. Par contre, j'ai peur pour le mal de l'enfermement. J'ai vraiment peur pour ça. Alors, on va dormir 6 heures, on verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, c'était une super aventure. Là sur la fin, là j'ai eu un peu peur, mais un peu stressant. Mais ça a l'air d'aller pour le moment, donc on va voir un peu ce que ça nous donne cette mine, ou alors on rentrera. Si jamais j'ai trop de mal de l'enfermement, on va peut-être rentrer, je vais être honnête, on verra ça. Très content aussi pour le nouveau vêtement, ça c'est vraiment fun, c'est vraiment cool. Ça protège du vent, c'est le plus important honnêtement, donc c'est vraiment super. Donc ouais, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé, pardon. Laissez un j'aime, et à la prochaine, et mettez des commentaires si vous voulez. Allez, ciao ciao!